Le bruit des vagues. Le calme absolu. Hello, hello. Moi, c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de sillonner pas mal de routes, que ce soit en France, sur la Corse, l'Espagne, le Portugal. J'en profite également pour assouvir deux de mes passions, qui sont le parapente et le kayak, un petit tour de vélo de temps en temps, et ainsi qu'une petite randonnée. Voilà, si ce programme t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes, un de ces jours. Je te dis à tout de suite. Ah, je viens de quitter Roquetas et je vais passer derrière ces premières montagnes. Regarde ces beaux paysages. Là, je prends la direction de Pechina. Je suis pratiquement arrivé. Voilà, je vais me rendre dans la Sierra Prendre la Alamina. sortie 304. Alors, il paraît que les nuits sont un peu plus fraîches à cet endroit, mais les journées très chaudes. Là, il y a pas mal de pistes, j'aimerais faire un peu de vélo. Possible que je fasse un peu de parapente. Voilà, il y a 2-3 sites à voir, il y a des sources d'eau chaude. Donc, je pense rester un jour ou deux dans le coin. Voilà, si ça vaut le coup. Et ensuite, je me déplacerai un petit peu. Je vais sans doute rejoindre les amis qui m'ont fait la surprise de me rejoindre eux aussi sur Roquetas et on ira sur un autre site ensemble. Voilà, là, je vais aller là-bas en face. Magnifique route, hein. C'est un coin avec une vue superbe. On est bientôt arrivé, je te montrerai ça tout à l'heure. Attention aux cyclistes. Magnifique route. Regarde ce décor formidable. Et tu vois, je me garais tout en bas. Ah, il y a beaucoup de vent, hein. Il y a toute cette partie à exploiter en vélo, en balade. Allez, je vais aller me préparer avant que les conditions soient trop fortes. Là, ça monte bien. Thank you.
Regarde cette belle rencontre des cabras sauvages. Je remonte de la terreau, tu vois. Et elles me sortent droit devant. Magnifique. Vous voyez comme elle me mate. Ah, il y en a qui sont encore en l'air. On va voir si j'ai le temps de revenir au déco avec de bonnes conditions. Mais le stop, ben ça marche pas terrible. Oh, tiens, regarde. Magnifique. Tu le vois dans les cornes qu'il a. Ouais, somptueux. Wow, quelle belle bête.
Tu vois, toutes ces étendues, ça sert pour les décors de cinéma. D'en haut, c'est magnifique. J'espère que les images seront belles. Superbe deuxième vol. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à accrocher pour reposer au déco. Donc, eh ben, je vais me refaire la route pour monter 30-35 minutes. Bon, je me suis vraiment, vraiment régalé. Ça fait un petit moment que je n'avais plus volé. Là, j'ai fait deux vols dans l'après-midi. Donc c'est très très bien. Si les conditions sont bonnes demain, eh ben je refais un petit tour. Voilà, je vais me poser au départ de la piste ce soir. Comme ça demain, ben, je ferai pareil. Je vais monter avec le camping-car et puis je me retaperai la route. Bon, le stop, c'est vraiment pas top. C'est ouais. Et même les mecs qui volent, hein, je veux dire, ils pouvaient faire un petit effort, mais non, c'est entre eux, ouais, c'est bizarre. Tu vois, lui devant, là, il va se poser là-bas où il y a le camion. Je te le montre. J'y arrivais plus. Oh, il est en plein soleil, en plein contre-jour, tu vois. Il va aller se poser sans doute là-bas au fond. Donc là-bas, normalement, il ne faut pas stationner. C'est les parkings des studios de cinéma. Tout là-dedans, tu vois, il y a de quoi faire, on fera les pistes en VTT de toute façon. J'ai envie de découvrir ce coin. Ouais, écoute, là, je vais finir de ranger mon parapente. Tu vois, il est là. Avec ce gros sac, tu vois, sur le dos. J'ai 13 bons kilos à l'aise. Et direction le déco. Tu vois le bazar que j'ai sur le dos? Allez, en avant. Et tu vois, là, il y en a un qui est venu chercher l'autre mec, là, qui a atterri. Il m'a vu, hein, mais je suis sûr qu'il va filer. Voilà, tu vois. Ils m'ont regardé. Ouais, c'est pas cool. Et comme tout à l'heure, tu vois. Regarde le tout petit là-bas en face. C'en est rempli. Regardez. Deux femelles. Et le petit, tu vois, qui se tient à distance. Hop, il vient les rejoindre. Ah, c'est trop beau. Je profite des derniers rayons de soleil. Ouais, je me suis posé là. Tout compte fait, c'est pas plus mal. Parce que si demain je peux voler, tu vois, je peux espérer un petit stop pour monter au déco. J'atterris en bas dessous et j'ai le camion juste à côté. Voilà. Donc c'est un bon plan, je pense. Bon, je me suis régalé. C'est très joli. Bon, j'aurais aimé rester un peu plus en l'air. J'ai eu du mal à accrocher. Bon, c'est pas grave, hein. Les conditions étaient bonnes. C'est la première fois que je vole comme ça en milieu d'après-midi. C'était un peu soutenu, mais ça allait. Donc vraiment un super après-midi. Bon, maintenant je vais regarder un petit peu ce que j'ai filmé, faire un peu de montage, une bonne douche parce que j'ai pris une bonne suée là pour remonter par la route. Et puis on se retrouve demain. Allez, ciao ciao, bonne soirée. Hello, hello. Aujourd'hui, je pars à la découverte de ce site. Là, je suis, tu vois, sur des, comment on pourrait appeler ça, des préfales, des fausses façades d'habitation. Ah, c'est où certains films sont tournés, bien entendu. Tu vois, c'est juste une façade. Voilà. L'autre côté, ça ressemble à ça, tu vois. Ça, c'est tous les côtés qui ne sont pas visibles, bien sûr, à l'image. Tu vois, je suis garé là-bas en face. Bon, ça souffle rondo aujourd'hui. Donc, à part balader, allez, petite immersion dans ce décor. Ça fait vraiment très réel.
mal du tout. Hein. Et quand tu passes de l'autre côté, c'est un échafaudage. Et là, tu vois, c'est vraiment très sale. C'est tout laissé comme ça. Pouf. Donc, je pense qu'il y a un petit moment aussi qu'ils n'ont pas tourné de film à cet endroit. Tu vois, là, c'est plein de planches. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Ils ont fait une piste au milieu bien propre, parce qu'il est passé une semi tout à l'heure. Donc là-bas, il y a des studios. Alors, moi, j'aimerais aller de l'autre côté, là. Parce qu'hier, en parapente, j'ai vu qu'il y avait une oasis. En fait, ici, c'est pas du tout les studios. C'est tout simplement l'atelier. C'est là où ils fabriquent les décors. Assez impressionnant. Tu vois, ils sont en train d'en faire un beau, là. Ils font des façades, en fait. Des faux bâtiments. Et de ce côté, tu as encore des décors, tu vois. Ouais, c'est très surprenant. Je viens de demander au gars qui bosse, en fait, ça c'est des anciens décors qu'il faisait à l'époque en briques et en pierre. Donc je te dis pas le travail. Regarde ça. Bon, super sympa, je leur ai demandé si je pouvais naviguer sur le site, ils m'ont dit aucun problème. Il y a du vent, mais il fait super bon. Regardez les perdreaux là-bas. Quel coin magnifique. Et là-haut en face, tu vois aussi, dans ces palmiers, il y a des décors. Regarde cette montagne, comme elle est belle. Juste derrière cette montagne, tu as le désert de Tabernas. Tu vois, je vais redescendre par là-dedans et essayer de trouver l'oasis. Tiens, regarde ce truc en face. Drôle de lieu, hein. Il y a des choses toutes propres. Donc il y a des gens qui viennent de temps en temps. C'est une hirondelle. Waouh. Comme une belle découverte. Hop là. Le refuge du capitaine fantastique. La grosse surprise, et tu vois, j'arrive de ce petit chemin, mais je me suis vraiment régalé. Et juste à la sortie, je tombe sur cet énorme verger. Alors, je ne sais pas du tout où est cette oasis. C'est là, je rentre dans du privatif. Pour moi, je la faisais là-bas au fond où il y a cette maison blanche. Je vais essayer de naviguer. On va bien voir. Ah ben, c'est réglé, je ne peux pas l'approcher. Elle est dans un camp militaire. Tu vois, c'est tout grillagé. Même s'il n'y a pas le grillage, je vais pas m'aventurer là-dedans. Donc plus qu'à faire demi-tour. Ben, écoute, aujourd'hui, ça me fera 3 heures de vélo déjà. Donc ça sera pas mal. Allez, je continue. Je vais sortir un peu la piste et prendre un petit chemin pour m'amuser. Ça y est, je suis de retour. Ah, tu vois, j'ai fait tout le tour. Ah, c'est très joli. Alors, il y a des chemins, des pistes. Là, tu te régales en vélo. Ah, tu vois, je vais descendre, je vais prendre cette petite piste là en dessous. Elle est tout au bout à gauche, là, derrière, où il y a l'ombre. Pour traverser cette espèce de vallon, remonter sur ce long mamelon gris plat, là-bas. Ou avant, il faut que je sorte où il y a le camion, là. Où il y a ce camion. Voilà, et après je remonte au camping-car.
Très très chouette tour, hein. Bon, pas tout à fait 3 heures, 2h30. Demain, j'irai à la source chaude. C'est tout là-haut, un peu plus loin. Une source, l'eau sort à 58 degrés. Bon, je discutais avec des collègues qui sont là il n'y a pas longtemps pour remplir des bidons d'eau parce qu'en plus, il paraît qu'elle est consommable, quoi. Il faut laisser refroidir, bien sûr. Mais ça te déforme les bidons tellement elle est chaude. Donc il y en a plein qui chargent de l'eau avec des bidons, des bidons, des bidons, même des locaux. Donc à voir, bon, c'est juste une fontaine, hein. Et puis ensuite, on fera autre chose, on partira de ce coin. Là, j'ai regardé la météo, beaucoup de vent aujourd'hui, nord. Demain, même histoire, donc mauvaise orientation, donc parapente, malheureusement, sur ce très beau site. Je pense que c'est cuit, que c'est grillé. Voilà, écoute, on va finir cette balade. Je pense que j'en ai. Oui, je ferai 3 heures. De toute façon, j'en ai minimum pour une demi-heure pour rentrer là. Et puis voilà. Allez, à plus tard, sur la route, c'est encore quelque chose de sympa à voir. Sinon, au camping-car. Allez, à toutes. Hello, hello. Voilà, j'arrive au terme de cette route et de ce coin, de la Sierra à la Mila. Et là, il y a ces thermes avec cette fameuse source d'eau chaude. Donc, il y a des thermes payants, bien sûr. La source extérieure est gratuite, mais c'est juste une petite fontaine. Voilà, et là, tu viens faire des soins. Super belle journée aujourd'hui. Donc, je vais en profiter pour un petit peu rouler. Je vais faire 50 km, faire les services, un peu de linge, et puis me trouver un petit coin. Pour passer la nuit avant de faire du plein nature au bord de sources chaudes. Cette fois, c'est des grandes vasques libres d'accès. Voilà, je vais te montrer un petit peu le village et cette fameuse source. Tu vois, les gens viennent prendre de l'eau avec des bidons, des quantités astronomiques de bidons. Tu vois, l'eau sort ici, très très chaude. Voilà la fameuse source, l'eau qui sort à 58 degrés. Non, c'est bon, pas bon, belle. Joli petit village. Bon, désertique. Là, il y a un jardin. On va descendre, il doit y avoir une super belle vue là-dedans. Bel espace aménagé, c'est plein de dattiers. De la vue sur la vallée. Là en face, tu as des caves creusées dans la roche. Bon, il y a pas mal de camping-caristes ici. Donc les stationnements doivent être tolérés, je pense. Magnifique vue. Voilà, cette vidéo se termine de ce joli petit village avec sa source d'eau chaude. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Oh, je suis en plein contre-jour. Les images, donc par la même occasion. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.